j'ai pas encore mangé mes céréales. Alors que je voulais partir dans 5 minutes. Comment on appelle ça déjà? Ah oui, être à la bourre. Donc bah du coup je vais manger vite fait ces céréales. Ensuite je vais chercher Marilou puisqu'on ne va, on va au club avec une seule voiture. Voilà. Voilà, champion. Bonjour Ronny. Et bonjour Ronny. Boui. Mais qu'il est mignon. Regardez-moi ce beau gosse. Et on a Bidou aussi. Bidou n'en a rien à faire. Bidou, s'il te plaît. Tu vas être sur YouTube. Faut. Non. Bidou, il veut pas être sur YouTube. Oui, mon amour. T'es déjà sur YouTube, hein, je suis désolée de te le dire. Bonjour Mouchou. Bonjour. Toi tu dis bonjour, t'es pas comme ton mec hein. Ton mec c'est un boudin. Ouh, t'es belle. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down. Breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the
Bon, on a fait l'arco. Et maintenant, on va préparer l'affreux. Oh, Ronnie. Bébé Ronnie. Oh, il est chou. Alors on se retrouve vite fait en face caméra donc pour conclure ce petit vlog. Alors déjà j'ai pas trop filmé la fin de la journée parce que j'étais complètement HS donc voilà. Clairement ce tour m'a mis au bout de ma vie, pourtant il n'était pas... J'ai pas autant souffert que Mouton a pu me faire souffrir, clairement. Donc du coup, alors à la détente, Ronnie était pas comme d'habitude, donc ça m'a un petit peu stressée. Alors après c'était peut-être moi qui stressais aussi. Pour vous donner un exemple, en fait dans le paddock de détente, il y avait forcément plein de poneys qui se croisaient et des moments j'étais contrainte de ralentir puisqu'on n'était pas tous dans le même sens, donc si j'étais au galop par exemple ou même au trot et qu'il y en avait un qui arrivait en face ou deux et que c'était un peu le bazar, du coup je repassais au pas, logique, et Ronnie ne voulait pas partir, il reculait, c'était un peu n'importe quoi, ça m'a un petit peu déstabilisé et j'ai commencé à me fâcher un peu sur lui, un petit peu injustement. Mais forte de mon expérience maintenant, des claques dans la tronche que m'a mis Mouton quand j'avais commencé à avoir un comportement comme ça, du coup je me suis reprise, je me suis ressaisie, je me suis dit bon Marie t'arrêtes maintenant, tu te détends, c'est Ronnie, ça va bien se passer, tu sais que Ronnie passe de l'autre côté si tu te comportes correctement, donc comporte-toi correctement et ça va aller. Enfin ça vaut pour tous les poneys d'ailleurs, mais Ronnie c'est encore plus une c'est beaucoup plus une assurance obstacle que Mouton, qui Mouton va se poser 15 000 questions. Ronnie c'est je suis dans le bon galop, ok j'y vais, pas de soucis. Donc voilà. Alors concernant la détente sur les sauts, on a commencé direct sur un vertical. Sur les 2-3 premiers sauts, c'était pas terrible, j'étais pas trop avec Ronnie, le galop était pas bon.
Et mon coach dit ouais bon bah c'est bien tu passes de l'autre côté mais ça manque de tempo. Donc du coup le petit coup de cravache et le renisseillé il était parti, voilà. Le galop était super bon, j'ai fait des super bons sauts sur les verticaux plus haut et sur les auxerres. Et mon coach me fait vas-y c'est bon, le fatigue pas plus que ça, va attendre ton tour et voilà. Donc du coup je suis partie dans le sas d'entrée toute fringante avec mon rouillis en me disant c'est bon les sauts sont bien partis. Et en fait là le souci qu'il y a eu c'est qu'il y avait de l'attente avant de partir sur la piste. Et alors fort heureusement en fait le sas d'attente en fait entre le paddock et la piste de concours c'était une carrière. Donc pour pas ramollir Ronny qui est déjà un diesel, donc maintenant qu'il était chauffé il fallait surtout pas que je laisse redescendre en régime. Donc je l'ai laissé un peu souffler parce qu'on venait de sauter pendant 5 minutes, pendant 2-3 parcours à côté, je l'ai laissé marcher un petit peu. Et après je suis partie un petit peu trop du galop aux deux mains. Et du coup ça va, le poney était bien disponible et il commençait même à se poser un peu sur ma main. Donc je m'étais dit bon bah c'est bien, lui qui est tout entendu, raide et puis voilà qui a tendance à lever un peu la tête, c'est plutôt bien. Et donc quand ça a été mon tour, je pars donc sur la carrière, je pars sur la carrière, il y avait un poney qui faisait son parcours avant moi, poney ou cheval, je ne sais plus, je crois que c'était un poney. Donc il fait son tour, qui finit son tour, là pendant ce temps-là, j'ai montré le 1 à Ronny parce que le 1 c'est les barres roses de merde que Mouton n'aime pas du tout. Donc je me suis dit, Mouton, c'est la version exagérée des réactions de tous les poneys, donc quand un obstacle est regardant, lui il va réagir 10 fois plus, donc je me dis, Ronny va peut-être être un peu surpris par celui-là. Donc je montre le 1 à Ronny, et puis dans la foulée l'autre termine son parcours, donc je me présente au jury, je pars sur mon cercle, et la cloche sonne, on est parti. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, Ronny était déter de ouf. Alors ça, il est pas très rapide, parce que c'est comme ça, il a pas une grande foulée. Mais quand il est bien enclenché dans le galop comme ça, comme il est très fait sur l'avant, là où il trouve l'appui, c'est devant, sur la main. Donc du coup, moi j'avais mes rênes qui bougeaient pas, je le tenais normalement, je gardais du contact. Et le problème c'est que cette patate, dès que je mettais de la jambe, il se mettait en défense parce que ma main ne bougeait pas, mais lui pour s'appuyer il fallait qu'il aille devant. Donc du coup il y avait le patron dans la tribune au jury qui était là, tire pas dessus, tire pas dessus, je ne tire pas dessus, j'ai ma main qui est posée, c'est Ronny quand il accélère, il prend la main. Enfin il veut prendre la main pour se caler sur quelque chose en fait. Ça m'a un petit peu surprise parce que en même temps j'avais pas enchaîné plus de 5 obstacles avec lui en cours. La dernière fois que j'avais enchaîné, j'avais dû enchaîner 5-6 obstacles dans la carrière où on a fait le concours. J'avais dû enchaîner ça pendant mon galop 7, mais là du coup c'était pas un concours, donc j'y allais plus posément, je m'étais pas forcément rendu compte de ça. Et là par contre le poney il était mais j'avance et c'était trop marrant. En vrai je me suis carrément fait plaisir. Je redoutais un peu, on va dire, j'appréhendais, voilà c'était le mot que je cherchais. Forcément j'appréhendais un petit peu parce que je me disais je connais pas tant que ça ce poney hein, donc partir comme ça après l'avoir monté, j'ai dû le monter il y a 4-5 ans, peut-être 2-3 fois, en l'ayant remonté 2 fois en stage et 2 fois en cours. Je dis voilà, en tout, je l'ai monté moins de 10 fois, allez, on part sur un parcours comme ça. Alors ça restait de la Club 3, mais un petit peu couillu quand même. Mais du coup, je suis vraiment contente de comment ça s'est passé, ça me donne tellement confiance, parce que mine de rien, de galérer pendant depuis 2014 que j'avais pas monté d'autres poneys pour faire un parcours que Mouton parce que c'était avec Texario un poney avec lequel je me suis cassé la jambe. Je reviendrai là-dessus sûrement dans une autre vidéo. Donc du coup en gros ça faisait 5 ans que j'avais pas enchaîné un parcours avec un autre poney que Mouton. Et ce qui se passait c'est que comme avec Mouton j'y arrivais pas. Ça restait très compliqué, je me disais, il y a peut-être moi aussi qui merde quelque part, même si Mouton je sais qu'il est compliqué, je me dis que peut-être c'est peut-être moi aussi qui met trop les poneys en difficulté, qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas chez moi aussi. Et en fait ce parcours du coup avec Ronny, il m'a permis vraiment de me redonner confiance, je me dis Marie t'es capable, ça fait trop plaisir en vrai. Donc du coup concernant des concours à venir avec Ronny, si je devais en refaire, il y a un si parce que ça dépendrait du temps dont je disposerais, si ça tombe pas sur un mauvais dimanche entre guillemets, donc si j'ai d'autres choses de prévues, si je suis en vacances à ce moment-là ou que sais-je.
Je repartirai pas sur une club 2 tout de suite parce que j'estime que je pense qu'on peut faire mieux en club 3 et j'aimerais bien essayer d'arriver à gratter un podium en club 3 pour confirmer encore plus ce qu'on arrive à faire avec Ronnie. Parce que là, comme vous avez pu voir, j'ai fait des tracés très propres, à part le 11 où j'ai coupé un petit peu, c'est là que j'ai réussi à choper le classement d'ailleurs, je pense. Ça m'a fait gagner une ou deux secondes, je pense, d'avoir un peu gratté en biais comme ça. Mais du coup, là, comme je sais que le poney est safe, alors sans tourner, sans prendre les obstacles là, avec des obstacles comme ça, sans faire un demi-tour et puis le prendre complètement de biais, je pense qu'il y a moyen de gratter plus de temps, de compenser le fait qu'il va pas très vite en prenant des tournants un peu plus serrés, ce que je ne peux absolument pas faire avec Mouton, puisque Mouton, s'il n'arrive pas sur la barre absolument droite, il ne comprend pas comment elle est, et du coup il a peur de mal faire, et du coup il s'arrête. Mais voilà, donc je pense que si je devais refaire un concours avec Ronnie, je referais une club 3 pour pour confirmer, pour peaufiner un peu le boulot. Et éventuellement de la club 2 derrière. Mais après, de toute façon, ce serait que des concours maison, j'ai pas envie de m'embêter à faire des sorties extérieures actuellement. C'est pas le but, on verra. Et puis si ça ne se fait pas, tant pis, ma foi, je suis contente, j'ai eu mon classement. Écoutez, j'ai un premier quart pour la mode qui ne me servira absolument à rien, c'est fabuleux. Mais bon, hein, le voilà, hein, c'est cool. Et puis sinon le challenge de fin d'année, si tout va bien, je le ferai avec Mouton, voilà, avec le gros Mouton, et puis on va lui bouger les fesses et on va essayer de sortir ce putain de sans-faute en 80 cm, puisqu'on a quasi réussi l'année dernière, mais le 6 ne lui plaisait pas du tout, puisque c'était les fameuses barres roses. Les barres roses, que c'est moche. Et bien sur ce, je vais aller prendre ma douche, puisque comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un peu la tête de la fille qui revient du boulot, parce que nous sommes lundi 1er avril, donc le lendemain du concours. Ma petite journée de boulot dans les pattes, mais je me suis dit je vais vous filmer ça vite fait, comme ça c'est fait, après je vais prendre ma douche et je vais m'attaquer au montage de la présentation, que j'ai toujours pas fait, puisque du coup samedi on est sorti, c'était pas prévu, mais bon voilà. Et hier j'étais en cours toute la journée et je suis rentrée complètement rincée, donc il était hors de question de faire un montage, enfin même si j'avais voulu, je me suis écroulée dans le lit, hein. J'ai pris ma douche, j'ai été me coucher, voilà. C'est plus de mon âge toutes ces conneries. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire si ça vous plaît, si vous avez des suggestions éventuellement de vidéos, puisque comme vous le savez, la chaîne démarre tout juste, donc si vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les petits commentaires, à me mettre un petit pouce de schtroumpf, à partager surtout la vidéo, et puis voilà, ou pas, si ça vous plaît pas, après tout, c'est votre droit, hein. Qui suis-je pour vous dicter, hein. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, un bon goûter. C'est bon les goûters. Des bisous! Okay.